Ok, j'ai invité 7 de mes potes dans mon studio et le dernier qui en sort gagne. Mais attention, pour rester, il ne faut pas rire. Ma sœur et son gars seront chargés de vérifier que personne ne rigole. Si personne rigole, elle sera donc buzzée. Au bout de la troisième fois, la personne devra quitter la pièce. Attention, petit test, si tu ris, tu vas devoir t'abonner à ma chaîne YouTube. Perdu. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Tu connais, on a plus le droit de rire. Ah c'est mort. Ouais c'est sûr, je pense que je vais gagner. Moi je rigole jamais. Ouais je pourrais gagner mais si Moody il est trop tendu et tout le tralala. Ouais logique, je vais rigoler pour un rien comme un con quoi, c'est tout. Oh reculé. Faut pas montrer les dents apparemment. Non ça va. Honnêtement je pense gagner parce que c'est ma vidéo. J'ai un peu de stress parce que je me dis est-ce que ça va bien se passer ou pas. Et puis franchement les adversaires ils me font pas peur. Donc en vrai de vrai, je pense que je vais les bouffer et je vais gagner, c'est sûr. Comment j'ai croisé Spider-Man sans son masque? Ok les mecs, je vais vous raconter une histoire de dingue. Je suis sûr que vous allez être complètement choqués. Tu vas pas en revenir mec. Enfin, je pense pas que je vais gagner, je pense que je suis vraiment éclaté au sol. Je pense que j'ai des grandes chances de gagner, mais il y a des gens ici qui sont très très forts. Je les ai vus un peu dans le couloir, donc c'est chaud. Alors déjà, la première chose que je fais en me réveillant, bah je m'habille. Je ne pense pas que je vais gagner, car je suis plutôt bon public. Et je suis assez nerveux. Donc je pense que ça va partir tout seul. En rentrant chez moi, je vois un mec qui veut me vendre un 10 balles. Ça reste entre nous, mais c'est pété. Hein. Il est 11h, je refuse. Clairement, moi je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas, je me vois avec la sacoche. C'était une photo de moi avant. J'arrive en bas de chez moi, et là je vois, il y a un mec qui veut pas me laisser monter les escaliers. Le montage vidéo de Seyar, il était incroyablement efficace parce que je m'attendais pas du tout déjà de une. Il nous a directement plongé dans le délire où il fallait pas rigoler. Et c'était super dur. Mais très fort. Vu que j'ai plus de téléphone, je peux même pas prévenir. Quand il a mis la photo avec le ballon de foot, oh j'étais mort, j'étais. Je voulais trop rire, mais c'était limite. J'ai apporté un objet, je pense qu'il va en faire tomber plus d'un. Personne ne me calcule, je déballe mon arme. Là je décide de regarder Anto, je sais pas pourquoi. Je baisse un peu les yeux. Et là je vois il a une putain de vaginette. Et c'était fini pour moi. Ça me rappelle le lycée quand personne n'avait fait ses devoirs. Ouais, quoi. La vaginette elle m'a fait, j'ai tilté, j'ai vu ça, je me dis mais wesh la vaginette, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle a spawn ici. Faut que t'arrêtes là. J'ai vu en même temps que toi. Putain, Anto, quand elle a sorti sa vaginette, en fait je savais pas c'était une vaginette. Je pensais que c'était juste un morceau plastique qui ressemblait du coup à un phallus. L'enculé, il l'a fait sans rien dire. Ouais, il l'a fait sans rien dire, bravo, il est chaud. Regarde, Anto. Il est trop chaud. La vaginette? J'en ai mis dans la maison, ça m'a fait trop rire, donc... Ouais, toujours, t'es trop chaud. Merci. Oh, j'ai cru qu'il allait pas serrer la main, j'ai cru qu'il allait serrer. J'ai serré sa queue. En vrai, je pense que c'est impossible que je gagne. Je vais faire en sorte d'animer un maximum la vidéo. Mais du coup, c'est sûr que je vais me faire rire moi-même, quoi. J'ai eu Seiya, je t'ai eu mec. T'es un bâtard, il essaye de me galocher. Bon, ça fait le truc, pas derrière. Fais attention à ma soeur, s'il te plaît. Y'a un rire. Y'a un rire. C'était pas vraiment rire. Y'a eu un rire là. Merde. Putain, papa, encore. Non, mais triché, parce que vous êtes trois, du coup, lui, c'est ses muqueuses. Je vais vous enculer. Je vais vous enculer. Profondément, j'étais mort. En profondeur. Bon, ça tu le fais tous les jours. Plus loin, plus intensif, plus propre. Bon là comme premier accessoire, je vais aller sur un truc soft. En plus je suis pas sûr de moi parce que je crois que c'est pas très drôle. Mais justement j'ai peur que ce soit gênant et que les gens rigolent. Donc je vais sortir une petite merde quoi. On va voir, je vais faire genre je me chie dessus. On va voir ce que ça va donner. Tu te le mets dans le cul? Attends les gars. C'est une belle merde. J'ai pensé que c'était vraiment une blague de merde. T'es une belle merde. Moi, je pense que le premier qui va perdre, ça sera soit Anthony, soit Reino. Moi, je vais sortir après, moi. Pour l'instant, j'ai l'impression. T'as une vraie manie de mettre les trucs dans ta bouche, toi. J'ai préparé une dinguerie, j'aime pas arriver les mains vides. Je suis sûr, il va s'étouffer. C'est sûr. Juste hors vidéo, vite fait, juste un bail à régler. Ouais, t'inquiète, c'est pas mal cette fois. Dans le jeu de ma meuf. Bah écoute, je suis vraiment dégoûté là parce que j'ai. Oh, le fils de pute. C'est la voix de ma mère. Et là, je me dis, oh l'enfoiré. C'est ma daronne. Donc je pourrais pas, à moins que, mais non c'est impossible. Écoute, ça va me manquer les petites papouilles, les petits chatons, ça va être dur. Parfois, là. Ah, ça va être dur. Bon, allez, il se retourne, là. Viens la caméra. Bah, vas-y, à tout. Comme ça. Ah,
Je pense que c'est Anthony qui va perdre en premier parce que c'est un peu la cible facile et que on va tous aller sur lui quoi. Bravo, bravo mec, franchement. Tu m'attendais pas à ça du tout. Je touche mon cœur, je suis pas trop vite. Anthony. Il a pris deux avertissements, il prend mieux que moi. Ah lui, j'ai un peu de fou. Parce que là, je reste calme de ouf, hein, mon vieux. On dirait un peu. Moi, je suis frisé de voir ton truc, en tout cas. Moi aussi, ouais. Non, qui non, non, qui non. C'est un jeu, moi. Wow, let's go. Là je prends Anthony, je vais mettre sur l'enceinte la voix de Michou qui fait yo les BG et je lui demander d'ouvrir la porte. Tu me crois si je te dis tu ouvres la porte, il y aura Michou. Vas-y. Vas-y. Vous allez tous venir, vous allez faire un petit dessin, okay. Ce que vous voulez en deux secondes, en trois. Oh mec, Du coup j'ai pris le stylo, je voulais dessiner comme un grand enfant et puis j'ai vu stylo piégé. Tes blagues elles sont nulles, Anto, mais c'est pas grave. Ah tu m'aimes, t'as d'un chiant. Pourquoi tu le refais, t'es un malade. Et voilà. Tu kiffes. C'est tu kiffes. Attention à toi, hein. Pourquoi... Oh, fils de pute. Pourquoi t'as mis de Voltaire ou pas? C'est pas possible, je déteste. Anthony. Pourquoi il a... La prochaine fois, tu sors. Il m'a dit, écoutez bien, j'ai l'ombre. C'est là. Oh la masterclass. Oh la masterclass. Vas-y, à chouette. Ah ça fait trop... Mais du coup, j'ai pas de stylo, mais comment? T'as rigolé, j'ai même pas vu. Naf, monsieur Raph, il a eu un... C'est fait rire tout seul. Mais qui est... Si. Franchement, j'ai rigolé même pas pour ça. Ah ouais. Tu vois, ça c'est mon chat Bambou. Ouais. Ça c'est mon ossium, mais il est mort il y a 4 ans. Ah ouais, merde, dommage. Il y a des travaux en haut. Bon, là, j'ai essayé de sortir mon dernier accessoire. Si avec ça, il rigole pas, je suis foutu. C'est quoi? Mais ta mère, elle a pas de queue. Sacré trompe. T'as la plus grosse. Mais je comprends pas, en fait. Mais c'est des trompes d'éléphant. Pourquoi des trompes? Je sais pas. Pourquoi? J'ai aucune idée. Là, je vois Seyar. J'ai vu direct dans ses yeux, ça y est, c'est fini pour lui. Il va partir en premier, c'est sûr. On va se regarder. Ça va, mec? C'est fini. Il part direct. Au revoir, Seyar. Seyar! Je veux pas vivre. Mais il est con, ce gars. J'espère aller déjà en finale, mais moi je rigole très très facilement. Ah oui. Je me suis fait mal. Qu'est-ce qu'il y a Johnny qui attend moi? Oh. C'est un style asiatique, mais t'as compris? Rapport au cliché. Oh, voilà. Je suis là. Je suis là. Il arrive. J'ai soufflé du nez, voilà, j'avoue. Là, je le dis, j'ai rigolé. Soufflé du nez, voilà, j'avoue. L'humour de Raph et de Loïc, incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que t'as fait un chinois sur une mobilette? Non, c'est pas vrai. Oh l'enculé, il a failli m'avoir. Oh là 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 là, c'est hyper raciste, mais ça c'est... Je suis chinois, non. Je suis bien gros là, laisse-moi tranquille. Oh merde. Lève la main devant la bouche là, il rigole. Non, j'ai pas rigolé. Ah oui, ce qui est le patron. Et moi. Ah oui. Là, on est dans l'ambiance. Il y a une petite vidéo qui tourne. On commence à se mettre dans le truc. Et je suis complètement foutu là. Je sais que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est ça qui va me tuer. Mais vas-y, je me contiens au maximum. Dis-nous, c'est qui le patron là? C'est moi. C'est qui le patron? C'est moi. C'est moi. C'est qui le meilleur du coup? Moi, je pense que c'est... C'est moi. Ouais, il a bien capté là. Moi je me disais où il veut en venir, mais non, mais c'est pas. Bon, là ça y est, je suis redescendu. Je pense que c'est bon, c'est fini. Je vais plus rigoler. Il a trouvé la faille quoi. Anthony, t'es éliminé. Tu m'as dit ce qu'il fallait pas. Il porte sa propre vidéo. Rigolez pas. Vas-y, mon ref. Vas-y, mon ref. Je te réceptionne au pire. J'ai pas. Moi je pensais juste faire mon poirier. Je pensais qu'il allait me rattraper, du coup, en tobara, qu'il allait me rattraper mes pieds. Il a rattrapé mes couilles. Désolé, je te fais partir, mon ref. Pourquoi il a fait ça? Là, il m'a eu. Là, il m'a eu. Désolé, mon ref. Il m'a réceptionné la bite. Il a les mêmes cheveux que toi, rien de petit. Non, par contre, ça, c'est déloyal. Ah, parce que c'est ça fait rire. On a le droit. Je suis Spider-Man, fils de pute. Oh, excellent. Ah, la grosse bateau, là. Pardon, j'ai un peu violent. Avec mon homme. Tu prends pour un enfant, quoi, frérot? Exactement. Je suis une femme fontaine. Il se prend pour un colibri. Il traverse. Oui. Bah oui, il a réglé. J'ai juste bu de l'eau. Je crois que lui qu'il a ses chances. Ah, mais c'est elle, putain.
Oh, c'est un maçon comme ça dans les vidéos. Mais c'est un gamin, frère. Mais c'est un gros gamin. Faut pas le regarder, frère. Vas-y, c'est quoi, je vais l'allumer. Faut pas le regarder. Ouais, c'est bon. Oh putain. Ça part en sucette. Je suis sorti du regard et là il y a Anthony qui fait une blague et du coup ça m'a tué, j'ai tout lâché. Il a dit ça part. Ah ça y est, ça y est. Il a dit ça part en sucette, c'est un malade. Mais bon, on va Let's go. En fait si. En fait non, allez. Ton père, quand il fait une crémaillère, il ramène de la crème fouettée. Il ramène de la bière, sérieux. Ton père le danseur de breakdance. Il me grand les yeux comme ça. Au début c'était très dur, j'ai perdu mes deux vies, mais le troisième j'étais conditionné de fou. La finale avec Luc, c'est tendu, mais je sens que je vais craquer. Bon les gars, j'ai ramené le renfort. Les perdants. Enchanté. Enchanté. Oh joli garçon. Moi je l'ai vu en face de moi, je me suis dit c'est bon, je vais le terminer. Un jour, je fais un rendez-vous Tinder, je suis arrivé. Il y a une question, c'est une bite. Ça arrive des fois. Non, mais c'est pas drôle. Ouh là, il y a eu un. Non, c'est pas possible. Attends, faut qu'il se fasse dans les yeux. T'as déjà avec une photo. Voilà, terminé. Ouh, le bâtard chalet qu'il allait m'avoir. C'était sûr. Sur un truc de merde en plus. Sur une anecdote qu'on a tous les deux, mais personne ne saura jamais. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur en vrai. Mon frère, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo. Leurs réseaux sont dans la description. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.